J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Bon, on est, ce matin, on avait des trucs à faire, donc on y était. Donc on a fait. On a fait quoi en premier? On a fait 2-3 trucs, 2-3 magasins. Action. Ouais. Tissu monde. Non. Non. Ah, c'est quoi? En plus, je te l'ai dit. Tissu du monde? Tissu du monde? Non. Si. Ah, il n'y a pas. Bah, non, ticket, j'ai dû perdre. Enfin bref, bon, on a fait, voilà. Donc on fait voir ce qu'on a pris. On va commencer par nos, au pire vite fait. Il n'y avait pas rien qui. Bon, on a juste trouvé ça pour Halloween à 80 centimes le truc, donc voilà. Et en plus, je crois qu'elle nous en a compté qu'un. Un plaid qui va me servir pour mon futur tapis de lecture que mon cher Étang va me faire. Et qu'est-ce que. Et des baskets pour Adam. Il y a un arrivage de vêtements de marque, de chaussures de marque. Qui reste correct. Là, c'est des lotos qu'on y a pris pour le gymnase en fait. On nous a payé 15 balles, donc ça reste correct. En plus, elles sont bien. Ouais, ouais, c'est des. Voilà. Des montantes et tout. Il y a des Nike. Franchement, il y a de tout. Donc après, voilà, les prix, ça reste abordable. Donc on lui a pris ça. Après, on était au magasin de tissus. Comment dire que je crois qu'on va prendre un abonnement là-bas. Donc on a pris du gris, du vert, que du blanc, lit, du noir et du turquoise. Donc bah Romain il nous fait alors, voir. Ouais, alors devinez cette couleur-là, c'est pourquoi. Cette couleur-là, c'est pourquoi. Voilà. Devinez. Mettez en commentaire si vous savez. Voilà. Là c'est deux personnages. Mais dis pas pourquoi, tu verras. Bah si, personnage, dis juste personnage. Voilà. Vous allez savoir pourquoi. Ça, après, on a été dans le déniche brocante à côté. Moi, je me suis trouvé une recharge pour la poubelle à couche à 2 euros, vu le prix que ça vaut, nettement, voilà. Et après, nous avons été à Action. Bon, à Action, on a acheté un peu plus de trucs, mais que des trucs, plus ou moins petits. Des gourdes. Ah, elles ont l'air trop bien, ces gourdes. Pour les grands, en fait, parce que, en fait, voilà, c'est le verre pour boire, en fait. Elle se remplit, non, elle se remplit, ouais, voilà. Voilà, on peut, voilà, comme ça, voilà. Bon, après, je pense pas qu'ils utilisent le verre. Mais, bon, après, elles étaient à 2 euros et quelques, quand même, celle-ci. Mais après, il n'y avait pas grand choix. Donc, pour Adam et Yaya, parce que Yaya, elle a la sienne. J'ai pris des gourdes, bah, pour une collègue, j'en ai repris 3 pour mes collègues. Et une pour moi, pour la petite que je garde, parce qu'il m'en manquait une pour la petite. Un entonnoir pour remplir les gourdes du petit. Oui, on ne les a pas montrées. Tu sais où elles sont? On a les gourdes. Les gourdes en fait réutilisables. Voilà. Celles-ci viennent de chez Jiffy, 1€. Jiffy, 1€, donc j'en ai pris 3. C'est pour le petit que, vu que c'est moi qui lui fais le goûter, le repas et tout. Donc pour remplir les gourdes, c'est plus facile, mais c'était à 80 centimes à Action. Donc, avec de la compote maison, surtout. Voilà, compote maison. Voilà. Ça, on a pris de la sauce barbecue, parce que la sauce barbecue, voilà. Du démaquillant, parce que j'ai dit que il faudrait que je prenne des bonnes. Oui, regardez, elle est maquillée. Ça se voit pas beaucoup, mais elle est maquillée. Des bonnes résolutions, juste les yeux, mais c'est déjà pas mal. Et oui, s'il lâchait un peu inutile, je le. Voilà, même moi je le dis. Mais il était à 2,50€ le petit plaid, même si c'est vrai qu'on n'en a pas besoin. J'avoue que c'est lâcher inutile. Mais je. Voilà, j'avais envie, donc. Voilà. Je le trouve super mignon, donc. Il n'y a pas assez de recul. Pardon. Voilà, je. Voilà. J'avoue, c'est lâcher inutile, mais moi ça me fait plaisir, donc c'est principal, j'ai envie de dire. Voilà, après, du plâtre, pseudo plâtre. En fait, il veut faire quelque chose, bah, vous verrez ça dans les prochains vlogs. Je pense. Ça, c'est des crayons pour écrire sur les tasses et les verres et tout. Voilà, pour les prochaines créations de petits. Voilà. Ça, bah, vous en saurez plus au mois d'octobre. D'ici un mois, voilà, bah, vous avez compris quoi. Voilà, hein, voilà, d'ici le mois d'octobre. Ça, c'est de la bombe à graisse. Je vais m'en servir comme bombe à graisse pour. Justement pour le mastic là que j'ai pris, voilà. Le plâtre. Un truc pour recharger le téléphone parce que le note il était mouru. Des épingles en bois parce que bah. Parce que chez nous. Il faut des épingles parce qu'on les mange. Et des aiguilles à couture. Bah, calée voilà. Parce qu'en fait, la semaine dernière j'en ai cassé 4 en une journée. Ouais. J'étais trop dégoûté donc là j'en ai repris. Deux caisses parce que nos panières de salle de bain, hier en fait j'étais en train de regarder, elles ont. Il y a la Kaja à 14 ans, elles ont à peu près 14 ans, donc voilà. Des tupperwares, parce que vu qu'en ce moment. Elle arrête pas de les casser. Voilà, elle me les casse, et vu que bah, le midi, on n'est plus que 3,5-4 à manger, donc il y a beaucoup de reste, donc ça va être utile. Ouais, j'en ai parlé déjà dans la vidéo. Voilà, ça va être utile. Du papier toilette, parce que nous sommes comme tout le monde, nous avons toilette. Et pour finir. Bah, toi, pas moi. Non, toi. On a été à. Électrodépôt.
En fait, la dernière fois, on a emprunté le cachet de du frère Romain. Et j'en ai marre de demander. Donc, du coup, nous aussi, on a investi dedans pour le gazon synthétique parce que faut le nettoyer. Gazon synthétique quasiment et toutes les semaines, ça enlève tout. Et la piscine, parce que la piscine, voilà. On l'a vidée, il faut la nettoyer. Les jouets de dehors qu'on peut décaper. Éventuellement, la voiture, si on la met devant ou on branche là-bas, voir. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut en acheter un et là il est à 59 euros. Ouais, 60 euros. Ça reste une somme, mais c'est un investissement pour quelques années. Attention, il est garanti 2 ans, j'ai envie de dire. Donc s'il marche pas, on ramène pas. Donc ouais, voilà, donc pour les achats. Voilà. Et c'est fini, nous achetons plus rien du mois, c'est fini. Non, nous achetons plus rien, mais nous avons trouvé une trouvaille. Nous trouvons sur la route. Un lit de bébé, donc en fait il est juste cassé au niveau de là. Mais c'est pas grave, ça se répare. Voilà, bah non, en fait s'il y avait des roulettes, moi j'ai enlevé les roulettes. Oui. Bah là tu peux le, vas-y, mets-le. Hein. Là sans roulettes, il va tenir. Voilà. Et en fait, moi j'ai un petit loulou qui supporte pas de dormir dans un lit parapluie. Donc Romain il va m'enlever ça là. Ouais, je vais peut-être enlever celle-ci. Ce ouais. Parce que celle-ci c'est celle qui se glisse. On va le mettre bas dans notre chambre, hein, voilà. De toute façon c'est le boulot d'asthmate, hein. Les asthmates savent ce que c'est. Et bien du coup je vais y mettre son petit matelas et du coup il pourra aller au dodo tout seul. Et voilà. Et moi ça m'évite de racheter. Et même ça peut après nous faire un petit par la suite, oui, voilà. Un petit fauteuil pour nous. Dans 2 ans quand il sera à l'école, Loulou, et ben, il pourra. Ou un lit pour. Voilà. Ça servira, vu que oui, en fait je veux pas le couper parce que je me dis ça pourra me servir éventuellement pour un autre. De toute façon c'est que de 4 vis enlevés. Donc du coup à la base on s'en allait pour acheter un petit lit de camp pour lui parce qu'en fait ça m'embête de le faire dormir au sol, ça me saoule. Et puis on a trouvé le bon combat. Donc on a fait des économies. Donc, là j'avoue un lit, mais à part le pied qui est cassé, sérieusement un lit quasi neuf quoi. Le matelas je l'ai parce qu'il dort déjà actuellement dessus, donc nickel. Donc voilà. Voilà Sophie, si tu passes par là. Ouais, voilà, donc voilà le futur lit de Abdan. Du coup je fais des économies. Et on passe un petit bonjour à Julia. Qu'on a vu à Action. Donc c'est une abonnée. Vas-y, voilà. Ouais, voilà, c'est pas mal. C'est une abonnée qui nous suit depuis très longtemps, qui travaille chez Action. Qui m'a reconnue à la voix encore, parce que c'est pas la première fois qu'elle me reconnaît. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Et là, elle me fait, je reconnais la voix, j'ai regardé le blog ce matin. Voilà, donc si tu passes par là, un petit bisou pour toi. Bref, on va se quitter là pour le moment. Ça fait un petit haul retour de conneries, on n'a pas été au marché ce matin, c'est pas grave, parce que normalement le samedi matin c'est marché légumes. On va se quitter là pour maintenant. On va essayer de filmer ce soir, comme je vous ai dit, normalement c'est un resto, un truc qui est plutôt pas mal, donc au pire on vous filmera le truc, mais je sais pas trop si on peut filmer en fait dans un, voilà. Et sinon on se retrouve demain directement en mode brocanche. Bonjour. Rebonjour, même vidéo mais rebonjour. Tu peux fermer ta fenêtre s'il te plaît? Merci, parce qu'en fait ça faisait du bourdon. Ah, tu l'avais pas? Non, moi non. Moi je l'avais. Ouais. Bref, comment ça? En fait je lui ai dit. Non, bah non, parce qu'en fait Corinne, c'est hier Corinne qui a commencé le vlog et elle a dit direct: bonjour, on va vous montrer comment ça va les amis aujourd'hui. Ouais, milieu de vidéo tu demandes comment ça va les amis. Voilà. Nous sommes donc même vlog, nouveau jour, je sais plus comment. Deuxième jour dans le même vlog. Je suis HS. Ma femme est HS. Hier on est pâté au resto. On est pâti. On est pâti. Non mais les abonnés ils ont compris que quand j'étais fatigué, je parlais. J'avais des mots qui partaient comme ça, voilà. On a testé un resto. En fait, à l'origine, je voulais vous filmer, mais en fait, avec les règles sanitaires, blablabla, tu comprends. Tu comprends, en fait, tu peux pas, en fait. Tu comprends que tu peux pas filmer, en fait, avec toutes les règles que t'as dans un resto. Tu peux plus filmer comme avant, t'aurais pu filmer. Donc, on a fait un resto. Donc, pour ceux qui sont dans les alentours, pour ceux qui vont venir dans les alentours, on le conseille à 300%. Alors, si t'es végétarien, tu peux oublier. Voilà. Au début, à l'origine, ma blague c'était un resto végétarien, mais en fait, non, non, c'est pas du tout. Alors, déconseillé aux végétariens, voilà, c'est un resto de viande. Mais comment vous dire, c'est une tuerie. Je vous dis 300%, on le recommande. On a fait un petit resto avec Corinne, moi, mon frère et ma belle-sœur.
Et comment vous dire qu'on s'est éclaté, éclaté. C'est donc un resto de viande, mais à volonté. La viande à volonté. Bah, de la viande à volonté. Tout, ouais, bah oui, tout. Mais c'est quand tu réfléchis à la viande à volonté. Et c'est pas de la viande genre, voilà, c'est de la vraie viande qui est... Il y a du label rouge, bio, tous les trucs AOC, AOP, tout ça. Tu te dis, mais... mais what? Mais what? Les entrées sont faites maison, les desserts sont faits maison. Tout est fait maison, tout est pas bio, mais tout est... Les légumes, tout est artisanal, les glaces bio. Artisanales, bref. Ouais. Resto de ouf. Ouais. Et j'ai pas dit le nom, encore. C'est Papa Ours, ouais. Qui se trouve à côté de CGR. Et ben franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. On a eu un serveur, c'était une tuerie le serveur. Franchement, il était trop marrant. Trop marrant, on a rigolé avec lui, tout ça, dit ouais, c'est clair. Et en gros, en fait, bah, fatalement, vu que c'est maintenant, c'est, en fait, tu peux plus te lever et tout ça. Dès que t'as fini ton assiette, t'appelles, tu lui demandes quelque chose. Nous, en fait, on a été raisonnable. On a mangé de la viande hachée, oui. Un steak de thon. Franchement, ça a été raisonnable. Après, Corinne, elle a fait une entrecôte, non? Non, j'ai fait un magret de canard. Magret de canard et un steak haché. On a été soft, franchement c'est le même prix qu'un prix normal de resto. Oui, parce qu'on fera, on a réfléchi après quand on s'est fait notre resto pour nos 9 ans. 9 ans de mariage, et en fait on en a eu pour le même prix. Et c'était, moi j'avais mangé quoi, des moules. Des moules, ouais. Et toi c'était un hamburger et il n'y avait rien de fifou en fait, à part la vue sur la mer fatalement. Voilà, c'est ça. Et là, non franchement, ça franchement ouais, bah, on a dit qu'on se le ferait ouais, au moins. Mais ouais, ouais, c'est. Non, mais le pire, ouais, c'est il y a ça, donc les entrées à volonté, et c'est des entrées faites maison, ah ouais, des petites verrines qui sont trop bonnes, le fromage, que des fromages AOP. Bah, en fait, c'est quand tu te dis que c'est que de la qualité, mais à volonté, tu te dis, mais comment ils peuvent faire. Bref, allez, c'était juste la petite partie sur le... C'était bien sympa, une bonne voilà. Soirée, bien sympa. C'était la petite partie. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, et comme dit dimanche, dit... Dimanche. Je vous ai pas entendu, comme dit dimanche, dit... dit... Brocanche. Brocanche. Alors, on a de la chance, aujourd'hui, il fait excessivement beau. Ouais, ça super beau. 24 degrés pour le moment, il est 9h33 du matin. On part tard parce que bah, on est rentré tard. Ouais. Nous avons deux prévues, techniquement, si elles sont toutes là, au moins 4 ou 5 brocantes. Bah là, on en fait une seule sans les enfants, tant qu'ils se préparent. Bah, qui n'était pas prévue à l'origine. Oui, parce que c'est moi qui l'ai vu, celle-ci. Sur le site, elle n'était pas marquée. Elle me dit, ouais, mais regarde sur Marketplace, il y a quelqu'un qui a mis ça. Donc, ok, on va voir. Donc, Capestan. Fleury plage, ouais, c'est pas Fleury, c'est Saint-Pierre-la-Mer. Ben, c'est marqué Fleury. Narbonne plage, c'est la brocante qui est normalement sur la plage. Nous avons Gruissan et deux à Gruissan. Donc, on a de la chance, on fait la côte. Ouais. On part de Saint-Pierre-la-Mer à Gruissan, normalement en mode brocante. Pique-nique, plage, peut-être baignade. Ouais. On va voir, moi, ouais. Moi je suis un fifou. Ouais, l'eau doit être fraîche quand même. Je m'en ouf, je suis un fifou moi. Voilà. Voilà, bon bah j'arrête de papoter parce que sinon ouais, aujourd'hui il fait chaud là dans la voiture. Ouais, ça va être un très long vlog. Allez, à plus tard. On se retrouve là, Gruissan, port, il y a deux brocantes, tu peux entendre le vent, énormément.
énormément de vent. Masque obligatoire dans le village. Rien, on te regarde faire tes photos Instagram. Corinne qui fait ses photos Instagram. On a trop mal, quoi. Alors, comment dire que le vent du sud... Moi, je n'ai pas habité dans le sud. Hein. Ouais, franchement, ça sert à rien. C'est relou, j'avoue, le vent là. Il y avait énormément trop de vent. On a voulu aller manger à la plage. On a mangé des sandwichs au sable. Pas mal. C'était sympa. Bref, retour de course. De course. Retour de brocanche. Je suis trop grand comparé à toi en fait. J'ai été obligé de me reculer. Un petit Winnie. Pour le futur bébé que je vais pour le futur bébé qu'elle va garder. Ouais, parce que j'ai. En fait, j'ai plus énormément de trucs. De... Parce qu'elle a plus énormément de trucs. Va te faire cuire un œuf. Et je crois que je vais aller me faire cuire un œuf. On a trouvé ce... ça, on a trouvé ça dans la première brocante. Et un jeu. Pictionary Disney. Disney. Voilà. Pour une misère. Bah non, celle-ci aussi, ça va pour. Ah oui, et on a trouvé deux tirelires. Un peu crado. Blanche-Neige et Belle. Blanche-Neige et Belle. Je croyais que t'allais te tromper. Et il manque juste un. Bon, je vais aller se faire. Et après, on a trouvé Coin-Coin. Mais il manque le chapeau là. Bon, c'est une officielle, donc c'est pour ça qu'on l'a prise, mais il manque quand même le chapeau. On va couper les fils, hein, ça prend un. Voilà. Bon, oui. Ça va à la machine. Moi j'ai trouvé. Pour les réveiller le matin. Ça fait longtemps que j'en veux un réveil. Voilà. Donc j'ai réveillé Mickey, mais. Je sais, ça sert à rien, mais j'aime bien. Et toi, t'as trouvé. Une housse de couette pour enfants. Avec un bout, la lampe et marqué à Dada. Parce que la madame, elle a dit c'est pour enfants. Je dis c'est un enfant. Il a juste un peu de barbe, c'est tout. Et voilà, nos trouvailles. Rien de fifou, mais. C'est mieux que rien, t'as dire. Hein. Voilà. Bon, allez, sur ça. Tchou. Ah, Corinne t'expédie la fin du vlog. Allez, allez, tchou. Tchou. Bonne semaine. Ouais, bon lundi, on vous souhaite un bon lundi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo avec nous vous aura plu. N'hésitez pas, petit commentaire, petit pouce bleu, tout ça. On va faire quand même faire une étagère pour les. Les jeux de société. Les jeux de société bah. Disney quand même, ça serait bien que tu mettes ça dans ta wishlist. Au niveau de la cheminée. Comment ça? On va faire une étagère dans la cheminée pour qu'on puisse les mettre dedans. Ouais, parce qu'en fait, là, on les entasse, on les. Vu que la cheminée, on ne peut pas l'utiliser. Bref, voilà, petit pouce bleu, petit commentaire, petit tout ça, tout ça. Moi, je vais aller faire une sieste. Mais il a dormi tout le long de la voiture. Le vent m'a cassé la tête. Le vent m'a cassé la tête. Allez, on vous dit peut-être à demain. Espèce de petite nature. Si tout va bien. C'est elle qui dit des gros mots comme ça, on va se faire démonétiser la vidéo quoi. Allez, tchou.